Aujourd'hui, j'ai eu l'appel de la forêt. Non, en fait, je raconte des bêtises parce que c'est pas aujourd'hui, c'est que ça fait 2-3 jours que la forêt m'appelle. Je sens que j'ai besoin de venir. Le confinement, ça va bien 5 minutes. En plus, je suis à 100 mètres de chez moi. Je vois pas pourquoi. Je viendrai pas. Maman, en plus, je peux repartir. Si tu veux. Oui, merci. De rien. En plus, je vous fais partager. Regardez. Plutôt de ce côté-là. Voilà. Donc, l'appel de la forêt. Moi, j'aime venir me promener en forêt et je reconnais que je le fais pas assez souvent. Pourquoi? Je sais pas. Je fais pas assez souvent. Pourtant, c'est un endroit merveilleux. Écoutez. Écoutez les oiseaux. Vous entendez? C'est beau, hein? Ouais. C'est quelque chose de magnifique. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Regardez-moi ça. Regardez. Attendez, où est-ce qu'il est? Coucou. Ah, il est là. Voilà. Il est pas beau? La nature reprend ses droits. Et encore cette forêt, c'est dommage parce que quand je suis arrivée, elle était magnifique. Magnifique. Il y avait plein d'arbres partout et tout. Mais forcément, les choses étant ce qu'elles étaient, ben. On a coupé des arbres, on a fait des choses, des chemins qui ne servent à rien. Bref, c'est du un peu tout et n'importe quoi. J'ai envie de vous montrer ce coin-là. Bon d'accord, j'ai le soleil dans les yeux, mais regardez. Voyez? Écoutez les oiseaux. Et le coq. Oh le coq. Oh la nature. Qu'est-ce que c'est bon la nature. Alors, j'ai aussi une petite réflexion parce que hier, et même si j'aime pas ça, par contre, vous voyez ça, c'est juste ce qu'il faut pas faire. Regardez, attendez, est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que vous voyez? Bon bref, il y a des trucs par terre, alors que c'est tellement plus simple de prendre une poubelle avec soi. Et quand on part comme ça, au lieu de mettre les canettes par terre, les mettre dans un sac poubelle et le sac poubelle le mettre à la poubelle. Bon, bref, petit aparté. Donc là, hier, j'ai écouté d'une oreille distraite ce que nous disait notre cher Manu, hein? Ouais, parce que, bon, ces conneries, ça va bien 5 minutes. Et il nous a encore dit, hein, il nous a encore dit que on était en guerre. Ouais, il en était en guerre. On était en guerre, oui, mais contre qui, au final? C'est ça, la question que je me pose. Parce qu'en général, quand on est en guerre, c'est... Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer, regardez comme c'est beau. Et j'espère que ceux qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent vraiment pas sortir parce qu'ils sont en ville ou qu'ils n'ont pas la forêt autour d'eux, ben je voudrais partager ça avec vous parce que c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Quand on voit la forêt qui reprend ses droits, c'est juste magnifique. Enfin, la vie plutôt, la vie. Donc, je me posais la question, à savoir contre qui on était en guerre. Parce que... là, quand on est en guerre, c'est soit parce que on nous a déclaré la guerre, hein, ou qu'on a déclaré la guerre à quelqu'un, hein, ce qui a déjà été le cas de par le passé, ceci étant dit. Et soit c'est on va déclarer la guerre à un pays à côté. Soit c'est le pays à côté ou le pays d'ailleurs qui nous déclare la guerre.
soit c'est un ennemi extraterrestre. Comme le dit si bien mon guide terrestre, va savoir, autant qu'on est en guerre contre un extraterrestre et on ne le sait pas encore. À se demander au final, parce que on est en guerre contre qui ? Contre la personne qui nous déclare la guerre. Mais qui nous a déclaré la guerre, là ? Alors, c'est l'ennemi invisible, forcément. C'est le virus qui nous a déclaré la guerre. Bien sûr, mais ce virus, au final, c'est un être vivant. On l'a aidé à vivre, parce qu'on l'a un petit peu modifié, hein. Donc, on l'a aidé dans son... Dans sa vie, on l'a un peu programmé, on l'a un peu modifié, on l'a un peu fait tout et n'importe quoi. Hein. Donc, moi, je ne suis pas en guerre contre le virus. Non, je ne suis pas en guerre contre le virus. Par contre, je suis en guerre contre... Enfin, je pourrais, parce que je suis en guerre contre cette personne, moi. Oups, pardon, c'est la forêt, hein. Moi, je dirais plutôt que je suis en paix. Ouais, je suis en paix. Tout va bien, là. Que dire ? La vie, quoi. Mais, quand même, j'ai envie de dire, si je devais être en guerre avec quelqu'un, et je dis bien si je devais être en guerre avec quelqu'un, c'est contre ceux qui nous ont envoyé le virus, au final. C'est contre eux qu'on est en guerre. Pas contre le virus lui-même. Le virus est un être vivant. Il n'a rien demandé à personne. Ou alors vous croyez qu'il s'est dit dans sa petite tête, dans ta petite cervelle de virus, tiens, je vais aller emmerder les humains. Ah tiens, ouais. Je vais partir en guerre contre les humains. Oui, c'est ça. Non. Ça serait plutôt contre ceux qui ont balancé ce virus, quoi. C'est contre eux que je partirais plutôt en guerre, pas contre le virus lui-même, parce que le virus n'est qu'un être vivant, et je respecte tous les êtres vivants. Virus, microbes, y compris, parce que au final, ils sont juste là pour... on les a tous en nous, les virus. Voilà. Ils sont là pour développer notre immunité. Et donc, celui-là, le pauvre, j'ai envie de dire, il n'a pas eu le choix, hein, on l'a balancé. Et donc, il a dit, toi, tu vas aller partir en guerre contre les humains. Il fait son job, hein, il part en guerre, voilà. Mais moi, je n'ai pas de guerre. J'ai pas de guerre. J'ai la paix. Surtout depuis que, hier, il s'est passé quelque chose de très personnel dans ma vie. Et ça a été énorme et j'ai pris conscience qu'en fait, au final, vous avez des enfants, des jeunes enfants, qui ont une empathie tellement importante, tellement forte vis-à-vis de l'humanité, que aucun président ici, bas sur Terre, ne peut avoir. Ou n'a plus. Oh, il l'a peut-être eu quand il était jeune, mais ils l'ont vite oublié. Et quand je vois l'empathie de certains enfants, eh ben ça me redonne confiance, parce que je me dis que si nous, on n'a pas réussi à faire ce que l'on aurait dû, c'est-à-dire taper du poing sur la table pour dire stop, à un moment donné, il faut arrêter vos conneries, les gars. Eh bien, nos enfants l'auront. Nos enfants l'auront. Si nous leur montrons le chemin, nous les parents, si nous leur montrons le chemin, les enfants auront cette empathie envers le monde. Et rien que d'y penser, ça me... Ce qui s'est passé hier, ça me serre le cœur. Enfin, c'est pas que ça me serre le cœur, c'est que j'en pleure d'espoir au final. J'en pleure d'espoir parce que je me dis que beaucoup d'enfants aujourd'hui et ceux qui vont naître, ceux qui sont déjà là, beaucoup, ont une vision sur le monde que nous n'avons plus. Nous n'avons plus parce que nous l'avons perdu avec le temps.
Je vais me retourner pour que vous regardiez un petit peu, regardez. Alors là derrière, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le paillon. Voilà, il passe par là. Là, il y a un petit peu d'eau qui coule. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu ici, même si le temps n'était pas magnifique. Ça n'a pas plu, donc il est bas. Voilà, il est bas. Mais il est là. Regardez, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez juste pour voir. Pourquoi voulez-vous être en guerre? Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a juste la paix de l'instant présent. Et c'est juste magnifique. Alors, oui, cette vidéo pour vous montrer que la nature a bel et bien repris ses droits. Et, en tout cas, elle est en train de le faire, hein, elle est en bon chemin, et ça, c'est juste magnifique. Que la nature est en train de reprendre ses droits, que la terre a besoin de ce temps de repos pour se refaire une santé, on va dire, parce qu'elle était vraiment, elle allait vraiment claquer si ça continuait. Et je pense très sincèrement que oui, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour la nature. Et si c'est bénéfique pour la nature et pour la mer, pour la terre, pardon, et pour la mer aussi, forcément, hein, ben, c'est bénéfique pour nous. Donc je me fais un plaisir de venir me promener. Alors pour info, non, j'ai pas pris mon attestation, j'ai pas pris mes papiers et j'ai rien pris du tout. Et je me promène en forêt, voilà. Alors venez me chercher si vous voulez. Je suis à moins de 500 mètres de chez moi pour information, donc je vois pas trop où je déroge au problème. Je suis toute seule. Ben non, je suis pas toute seule en fait, parce que j'ai la compagnie des oiseaux, j'ai la compagnie des animaux de la forêt, j'ai la compagnie de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bon pour nous au final. La nature reprendra ses droits. Comme le dit mon guide personnel, il me dit de toute façon, tu sais, il faut bien que tu saches quelque chose, c'est que sur la Terre a déjà vécu des milliers de changements depuis sa création. Et tu vois, ben, la nature a toujours repris ses droits. La nature a toujours survécu à tout. Parce que il y a des animaux, des insectes, pour après dire, il y a des insectes qui survivront, quel que soit la guerre sur Terre. Qu'elle soit humaine, qu'elle soit bactérienne, qu'elle soit atomique, peu importe. Il y a des animaux qui survivront à tout. Vu que il y a des animaux qui sont là depuis des millions d'années. Et qui ont évolué forcément, mais dont mais qui ont vu le jour il y a des millions d'années. Donc tout ça pour vous dire que non, on n'est pas en guerre. Et au bon sens que ça fait du bien d'être en forêt, que ça fait du bien d'être en paix, que ça fait du bien de revoir la nature, que ça fait du bien de venir lui faire un coucou, mais je t'aime, je t'aime. Sois forte. Et bats-toi, bave, bats-toi avec nous parce que on t'aime. On t'aime. Les êtres de lumière, ou les êtres souverains, comme vous voulez. Ouais, voilà, c'est beau là. Ah, c'est beau. Et bah, on le sait. On va avoir un sacré boulot après tout ça. Ouais, on va avoir un sacré boulot. Le boulot, ça sera pas de reconstruire la Terre, parce que la Terre, elle va se reconstruire d'elle-même, non? Ça sera de reconstruire les humains, les êtres qui, en ce moment, veulent à tout prix sortir de ce système, mais qui n'ont pas encore trouvé la voie. Et une fois que ce confinement sera fini,
Vous pouvez pas vous imaginer comme je me sens bien ici. Une fois que ce confinement sera fini et que la vie va reprendre son cours normal, eh ben ça sera à nous de dire stop. Ça sera à nous d'enfreindre les lois. Je vous dis ça tel que je le sens, tel que je le sens là actuellement. J'ai les lunettes de soleil parce que j'ai le soleil en plein sur les yeux, mais sinon je vous enlèverai les lunettes pour vous dire à quel point je... vous regarder vraiment dans les yeux et vous dire à quel point je ressens ce que je vous dis, parce que après ça, ça sera à nous. Ouais, ça sera à nous d'aider les gens qui n'ont pas encore trouvé de solution, mais qui veulent en trouver une, mais qui sont trop, qui ont été trop manipulés par le système pour trouver l'issue de secours. Et après ce confinement, ça sera à nous d'agir. Ça sera à nous d'aller au-delà et d'aider ces gens-là. Parce que, vous savez, la cinquième dimension, elle est déjà là. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'il en soit, la cinquième dimension, elle est déjà là. La cinquième dimension, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Donc, la cinquième dimension, c'est quoi ? Elle est sur ce monde, la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est juste une histoire d'énergie et de vibration. Pour vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, comme je fais souvent, je suis souvent, quoique, vous allez me dire, elle est complètement barge, hein, le fait de se balader dans la nature, ça l'aide pas. Ben si, au contraire, non content, ça m'aide, mais en plus, elle me donne la force de continuer. Ouais, voilà, ouais. Et puis surtout la force de dire ce que je ressens. Donc je disais que la cinquième dimension, on y est déjà. Voilà. Et que c'est juste une histoire de vibration et d'énergie. Dans la cinquième dimension, le mental n'a plus sa place. D'où le fait qu'en ce moment, comme je vous ai dit que je vous partagerai tout, je vous partage tout. D'où le fait qu'en ce moment, je me lève le matin. Ben, mon mental, il vient m'enquiquiner pendant mes rêves. Ouais. Alors, pas pendant la nuit, mais le matin, vous savez, quand vous êtes en sommeil léger, prêt à vous réveiller, paf, le mental est là. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça me provoque des maux de tête. Ah ouais, pas si systématique. Parce que il n'a plus lieu d'être là. Et... il profite de ce moment où je ne suis pas complètement réveillée, mais que je ne suis plus complètement endormie non plus, pour venir. Et je l'entends. Ah, je lui dis, stop. C'est bon, ça va, stop. Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille là pour l'instant, stop. Et quand je dis ça, mon mal de tête passe. Sauf que dès que ben, je commence à vivre, je me réveille, etc., bing, il revient. Alors, je ne vous cache pas que par moments, ça me met dans des colères. Ça me met en rage. Ça me donne envie de pleurer. Parce que ce mental, j'ai du mal encore. Alors qu'il n'a plus lieu d'être là. Puisque... la cinquième dimension. On y est, en cinquième dimension. Donc, il n'a plus lieu d'être là. Mais il veut se faire sa place, parce qu'il ne veut pas qu'on le laisse tomber. Ben non, il a peur. Il a peur. Et comme il a peur, et ben, il veut nous donner la peur aussi. Il veut nous faire partager la peur qu'il a. Et non, mon vieux. Je suis désolée, mais t'as plus ta place, là. T'as plus ta place. Tu vois, la place, elle est là. Elle est là, la place. Regarde. T'as vu ? C'est ça, la place. C'est ça. Regardez. Regardez.
Regardez comme c'est beau. Ah là. Ah, il y a des nuages, ouais, mais le soleil est là. Il est là. Et la nature, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de soleil. Elle a besoin de pluie. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de nos énergies, de toutes nos bonnes énergies pour vivre. Voilà. Donc, encore une fois, Manu, nous ne sommes pas en guerre. Non. Nous ne sommes pas en guerre. Au final, je pense que c'est toi, oui, c'est toi qui es en guerre tout seul. Enfin, toi et puis tous tes petits copains, hein. Vous êtes en guerre contre nous. C'est ça le problème. C'est que vous êtes en guerre contre nous. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème pour toi, hein, c'est que... On a déjà gagné. Parce que... La cinquième dimension, elle est déjà là. Bah ouais. Sauf que toi, tu veux pas que les êtres humains aillent dans cette dimension. Bah non. Parce que ça serait ballot, hein. Tu perdrais la bataille. Toi et tes acolytes. Mais il faut dire que la bataille est déjà perdue. Il faut juste que nous, les êtres vivants souverains, on prenne conscience que la bataille est perdue pour eux et que c'est que nous continuons à faire vivre un système qui n'existe plus. Ben non, ce système n'existe plus. C'est nous qui lui donnons envie en allant travailler tous les jours, en allant en acceptant ce qu'on nous dit, en acceptant les lois qu'on nous impose sans qu'on soit au courant, qu'on le sait après, hein. Parce que, pour ce qui est des retraites, la loi a été passée avant le 49-3. Hein. Le 49-3 a juste été le voile pour nous dire, bah, vous ne voulez pas, hein, et bah, schlag, 49-3. Sauf qu'elle était déjà passée, la loi. C'était juste pour nous enquiquiner un peu plus. Mais je pense que ceux qui connaissent le système le savent, donc je ne leur apprends rien. Voilà, regarde. Je ne me lasse pas de vous montrer ces images parce que, écoutez, ah, il y a quelques voitures qui circulent, ouais. Ben, oh, ils vont faire les courses, mais c'est beaucoup moins actif qu'avant, c'est beaucoup moins... pas vivant, parce que la nature est vivante. Je dirais que c'est moins actif, ouais, c'est moins qu'avant. On a deux, trois voitures par-ci, par-là. Ils vont en course, ils vont au boulot, ils vont... Ils nous parlent aussi, tant que j'y suis, hein, puisque vous êtes confinés comme moi, alors, bah, écoutez, hein. Ils nous parlent aussi... des déboires que subissent les hôpitaux, les aides-soignantes, les infirmiers, les docteurs, les médecins et tout le reste. C'est vrai que cette épidémie qui est voulue, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, quelle que soit la raison et quelle qu'en soit la raison, hein, bah, elle est voulue, cette épidémie. Et donc, et elle avait été prévue. Ah, j'adore. Elle avait été prévue. Elle avait été prévue depuis un certain nombre d'années. Ouais. Depuis 2003, je crois. Elle avait été prévue. Oui. Parce que notre chère ministre, hein, elle le savait. Son mari était bien placé pour le savoir. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Au lieu de faire tout ce qu'il fallait pour mettre en route une prévention, bah non, elle a... Elle, gentiment, elle a dit tout va bien, on ferme les hôpitaux, il n'y a pas besoin d'hôpitaux.
Non, non, il y en a trop. Et puis, dans les hôpitaux qui restent ouverts, eh ben, on va diminuer les lits, hein, parce qu'il y a trop de lits. Alors, forcément, ça ne sert à rien. Hein. Et ben, on va diminuer le personnel aussi. Hein, parce que, du coup, comme il y a moins d'hôpitaux et puis comme il y a moins de lits, ben, il n'y a pas besoin d'autant de personnel. Et puis, ben, dans la foulée, ben, les médecins, ben, pareil. Bon. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça normal. Il n'y a que ceux qui travaillaient dans les milieux hospitaliers qui se sont battus. Et ils se sont battus bien avant le coronavirus. Hein. Je ne sais pas si vous avez une mémoire sélective ou pas, mais ils se battaient déjà avant ce virus. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est eux, en première ligne, qui vivent la résultante de des décisions qu'a pris la ministre de la Santé à l'époque. Voilà. C'est pas qu'on manque de matériel, parce que beaucoup de médecins le disent. C'est pas qu'on manque de matériel, c'est pas qu'on manque. Non. Parce que matériel, on l'a. Sauf qu'il est sous-cellé. Il est sous-cellé. Eh ouais, on le donne pas. Non, ben, on va attendre que l'épidémie fasse encore plus de ravages avant de le donner, parce qu'on ne va pas le donner tout de suite, non, non, non. Non, parce qu'en fait, on veut pousser les gens à la vaccination. Bon, il y a bien le docteur Raoul qui est là et qui nous dit qu'il y a moyen de s'en sortir. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens font des témoignages en disant que, eh ben, ça marche, hein. Son traitement à la MacGyver, il marche. Ben ouais, c'est con, hein. Ça, mais c'est très, très, très con. Mais ça marche. Alors, ben, on va attendre encore un peu, hein, histoire que les gens se rendent bien compte à quel point ce virus est terrible, méchant, et tout ce qui s'ensuit. De façon à ce que les gens n'aient pas d'autre solution que, ma foi, c'est soit le confinement, soit la vaccination. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais si, on a le choix. On a le choix de ne pas se faire vacciner. On a le choix de demander un test pour savoir si on a les symptômes ou pas. Enfin, même si on n'a pas les symptômes, hein, parce qu'on peut être porteur sain quand même. À savoir, parce qu'entre les porteurs sains, ceux qui ont déclaré le virus, mais qui s'en sont bien sortis sans aucun traitement, ceux qui ont déclaré le virus et qui ont dû prendre des traitements, mais que le traitement leur a sauvé la vie, ça fait quand même beaucoup de choses positives, moi je pense. Hein, faudrait pas s'attarder sur le côté négatif qu'on nous envoie au quotidien. Faut pas s'attarder sur ça. Faut s'accrocher aux bonnes choses. Et les bonnes choses, quoi? Les bonnes choses, c'est la vie. C'est la vie. Alors, une fois de plus, et je pense que je finirai là, à moins qu'on m'envoie encore des informations. Une fois de plus, nous ne sommes pas en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre. En tout cas, pas contre l'ennemi qu'on croit ou qu'on veut nous faire croire. L'État, le système, l'oligarchie, est en guerre contre nous. C'est différent. Nous, le peuple, on n'est pas en guerre. Ben non. On sera en guerre contre quoi? Contre la vie? Contre la nature? C'est pas notre but. Notre but, c'est pas d'être en guerre. Ça l'a jamais été, d'ailleurs. Ce sont les grands, ceux qui décident pour nous, qui veulent les guerres, au final. Parce que s'ils n'avaient pas été là, tiens, voilà ce que je vous disais il y a 30 secondes. S'ils n'avaient pas été là, ces grands-là, il n'y aurait jamais eu de guerre. Jamais. Ben non. Mais il y a toujours un décideur. Ouais, il y a toujours un décideur. Et ce décideur décide pour tout le monde, que les gens soient d'accord ou pas. Il décide. Alors, il nous fait croire qu'il y a des lois, qu'on peut voter des lois. Mais les lois pour lesquelles on vote sont rarement celles dont ils nous font cadeau, si je puisse m'exprimer ainsi. C'est bête, hein, parce qu'au final, c'est pas les mêmes. Ben non. Et ça va pas dans la même direction. Ben non.
Nous, on veut l'équité pour tout le monde. On veut que tout le monde ait un toit. On veut que tout le monde ait à manger, à boire. On veut que tout le monde ait une bonne santé. On veut que tout le monde soit heureux. Que tout le monde puisse vivre en paix. C'est ça qu'on veut. Mais pas nos dirigeants. Nos dirigeants, eux, ils veulent absolument qu'on soit en guerre. D'ailleurs, ils nous disent qu'on est en guerre même quand on n'y est pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils veulent qu'on soit en guerre. Hein. C'est quand même... C'est fort. Hein. C'est, comme on disait de notre temps, c'est plus fort que le Roquefort. Hein. C'est vraiment très, très... Ils veulent tellement une guerre que, ils nous l'ont déclaré. Écoutez, je pense que nous avons les cartes en main. Nous savons comment réagir et nous pouvons agir. Et nous allons agir. Nous allons agir. Eh bien, voilà. Je vous montre encore, avant de vous laisser. Je vous montre encore la beauté de la nature. Est-ce que ça ne vaut pas tout l'or du monde? Est-ce que ça ne vaut pas toutes les richesses possibles et imaginables? On a tout là. On a le bois pour construire des maisons. On a la verdure, les herbes pour nous soigner. On a tout. On a l'eau. On a tout. De quoi avons-nous plus besoin? De quoi? Ah oui, tiens, encore un truc, voilà. Merci. C'est marrant parce que... Alors on nous dit que, oui, effectivement, la 5G serait effectivement un déclencheur de ce virus. Ah oui, c'est fort possible. C'est fort possible puisque c'est des ondes et que notre corps étant un corps vibratoire, étant un corps, étant une antenne réceptrice, c'est fort possible que l'on capte les ondes de la 5G et que cela ait un impact sur le virus et que de par le fait, le virus... qu'on a déjà en nous depuis un temps, sauf que celui-là a été trafiqué, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, ce virus se réveille. Mais alors, et cette question-là, il y a une coupure. Oui. Et cette question-là, moi, je me la pose depuis un petit moment. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai vu des satellites qui ont été lancés du Cap Canaveral. Des satellites. Je me suis posé la question, je dis à mon mari, mais c'est quoi ces trucs-là? Il me dit, je sais pas. C'est peut-être des satellites. Je dis, oui, mais en randonnion comme ça, c'est bizarre quand même. C'est la première fois que je vois des satellites partir en randonnion comme ça. Il m'a dit, écoute, on va bien finir par le savoir. Hein? Effectivement, deux jours plus tard, sur le journal de Nice, Côte d'Azur, on nous disait que c'était le début des lancements de satellites pour quadriller la Terre afin qu'elle ait un meilleur réseau Internet. Un meilleur réseau Internet. Et alors, ils avaient l'intention d'ici 2022, 2025 ou 2027, je ne sais plus exactement, d'ici les années à venir, d'en envoyer 27 000, écoutez bien le mot, parce que là je suis sûre de mon coup, 27 000 satellites pour quadriller le monde entier, avec ces satellites, afin qu'ils aient tous Internet. Moi, je me demande au final si c'est juste pour ça. Et vous?
Qu'en pensez-vous? Est-ce que les 27 000 satellites qu'on nous envoie dans le ciel, est-ce que ces 27 000 satellites sont juste là pour qu'on ait une meilleure couverture réseau? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a des peuplades. Il y a des peuplades, je m'égare. Il y a des peuples sur Terre. Et ils ne savent même pas ce que c'est Internet. Ils ne sont pas au courant. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un téléphone. Encore moins ce que c'est qu'une télé. Alors vous pensez bien que avoir du réseau, c'est pas vraiment leur préoccupation première, je pense. Hein? Voilà. Donc, je veux pas jouer les complotistes. Et puis, on comprenne pour une folle, ça c'est pas grave. Hein, c'est déjà fait depuis longtemps. Hein, donc, je m'en fiche. Hein, c'est juste une étiquette hein, parmi tant d'autres. Voilà. Donc, moi, je m'en vais là dans un chemin que je connais pas. Bah oui, parce qu'avant, vous voyez, à force de passer, les gens avaient fait un chemin et comme ils passent plus, les gens, hein, comme ils sont tous chez eux, le chemin, regardez, je vous raconte pas de bêtises, il y a bien un chemin, mais la nature, elle a repris ses droits. Les chemins, en quelque temps, il a disparu. Donc il va falloir écarter gentiment, doucement, en douceur, toutes ces branches qui ont repris leur place. Et donc, je vous disais que ces satellites, je ne suis pas sûre que ce soit juste pour qu'on ait un réseau super extra génial. Bon, décidément, elle ne veut pas que je passe par là, hein, parce que les ronces m'en empêchent, donc on va passer par ailleurs, hein, on va laisser la nature faire ce qu'elle a à faire. Et on va passer par ailleurs, hein, c'est pas comme s'il n'y avait pas plus de chemin que ça. Donc je ne suis pas sûre que, au final, ces satellites qu'on envoie, 27 000 surtout, qui est 27 000, est-ce que vous croyez que celui qui est en Amazonie, là, il en a quelque chose à foutre d'Internet, sérieux? Est-ce que vous croyez que les gens qui habitent au pôle Nord, qui vivent dans des igloos encore de nos jours, hein, est-ce que vous croyez qu'ils en ont quelque chose à faire d'Internet? Je pense pas. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème premier. D'ailleurs, est-ce qu'ils en ont un problème? Ils en ont pas. Hein. Ils en ont pas parce que ils font pas partie de la mondialisation. Non, oui. Ils font pas partie de l'ONU. Ils sont trop intelligents pour ça. Je suis même pas sûre qu'ils sachent que ça existe, l'ONU. C'est pour vous dire. Donc, oui, effectivement, je vois pas trop le rôle. Alors, je fais attention parce que là, ça descend méchant, ça descend sévère. Vous allez regarder. Voilà. Hein, je fais attention. Et comme je suis en train de vous parler en même temps, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Okay. C'est l'aventure, hein. C'est l'aventure. Là, on part dans l'aventure, ouais, complètement, hein, c'est l'aventure. Cette forêt, je la connaissais bien, et depuis quelque temps, c'est fini, terminé. Bon, il reste des petits chemins à droite et à gauche, enfin, bon, bref. Donc, c'est 27 000 satellites, bientôt, il y aura autant de satellites que d'étoiles dans le ciel, c'est ça. Enfin, que nous, on peut voir, hein, parce que jamais les satellites ne feront aussi nombreux que les étoiles, on est bien d'accord. Mais de notre point de vue, hein, de là où on se place, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je regarde, quand je suis sur ma terrasse, je regarde souvent le ciel le soir, hein, quand le soleil s'est caché derrière les collines et que la nuit commence à devenir noire. Je regarde souvent le ciel. Alors, je regarde les étoiles. Puis, des fois, il y en a des plus brillantes que d'autres. Et souvent, il y a des satellites. Alors, on a trois étoiles pour un satellite. C'est ballot, hein. C'est comme ça. Voilà. Donc, est-ce que les satellites sont là pour qu'on ait un meilleur réseau? Je sais pas, hein, parce qu'au final, depuis que les satellites ils sont montés, le réseau en bas, il est plus mauvais. Hein, donc,
je voudrais pas démonter ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Là, le soleil me tape dessus, c'est génial. Je voudrais pas démonter ce que tout le monde veut bien nous faire croire, mais je pense pas que les 27 satellites, pardon, soient vraiment là pour nous aider à avoir un meilleur réseau. Hein, je pense qu'il est plutôt là pour faire vivre le nouvel ordre mondial et pour qu'on soit tous bien ancrés dans nos petites cages et dans nos petites cases et qu'ils puissent mieux nous surveiller encore qu'ils ne faisaient avant et qu'au final, eh ben, ils puissent suivre leur agenda. C'est sans compter sans l'intelligence du divin, c'est sans compter sans notre créateur, c'est sans compter l'amour de notre créateur et qui mettra fin à tout ça. D'ailleurs, en ce moment, je vois pas trop à quoi il sert, c'est 27... la cocotte, tu me lâches, s'il te plaît. Ouais, voilà. Je vais peut-être pas que je m'en aille, hein, mais bon, à un moment donné, pour que je rentre, j'ai qu'une heure pour sortir. Voilà. Donc, je disais que c'était sans compter sans l'amour de notre divin créateur, qui, lui, est toujours là, et qui n'a pas besoin de satellite. Hein, ou alors, il va s'en servir pour nous aider et non pas pour nous détruire. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est garder espoir. Gardez confiance. Ah oui, une toute dernière chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, en dessous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, je ressens le besoin de me reposer. Ouais. Ah, je ne suis pas fatiguée, hein ? La preuve ! Je me balade. Je ne suis pas fatiguée, non ? Mais je ressens le besoin de me reposer. Ce n'est pas de la fatigue, c'est juste un besoin à l'intérieur. Alors si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me poster ou envoyez-moi un texto ou envoyez-moi un message sur Messenger ou comme vous voulez. Hein. Mais dites-moi si vous êtes pareil. Si vous ressentez ce besoin de vous reposer, ce besoin de vous... d'être là, de voir, d'observer, mais de vous reposer. Parce que j'ai le ressenti très fort. J'ai le ressenti très fort. Qu'après ce moment de repos imposé, on va travailler. Ouais, on va travailler. Non pas pour de l'argent. Hein. Non, pas pour de l'argent, mais pour aider nos frères et sœurs qui eux, bah, auront besoin d'aide. Ils auront besoin d'aide. Ils auront besoin de soutien. Et là, on va avoir du boulot. Ouais, on va avoir du boulot. Il ne sera pas forcément payé. Hein. Ça sera du boulot, ça sera du travail du cœur. Voilà, du cœur à cœur. Ça sera du partage. Ça sera de l'amour, ça sera de l'énergie, ça sera des vibrations. Voilà. Ben... je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, ça fait un moment. Hein. Ouais. Donc moi, je suis rentrée gentiment. Hein. Je suis seule là, mais bon, je vais rentrer gentiment. Je vais d'abord vous montrer quand même. Regardez. Attendez. Regardez. Vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez l'eau qui coule parce qu'il y a le soleil qui est dessus. Alors je ne sais pas si vous voyez l'eau qui coule, mais ce bruissement, si je peux m'approcher un peu tout à l'heure, ce bruissement de l'eau qui coule, c'est juste un plaisir pour l'âme, pour l'esprit. C'est relaxant, c'est calmant, c'est... waouh! Ça fait énormément de bien. Ici, on est à la... c'est comme si la forêt nous protégeait de tout. On est à l'abri, on est bien. Il y a un calme qui se dégage, c'est...
juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Ah, alors on a encore une petite escalade là. Ben oui. Il va juste pas falloir. Bon, on va faire confiance. Hein? Voilà, on va faire confiance. Et quand on fait confiance, tout se passe bien. Voilà. Donc, très heureuse de vous avoir partagé cette matinée, enfin ce bout de matinée avec vous. Très heureuse de vous avoir fait partager la beauté de la nature qui est juste à côté de chez moi. Et que c'est très dommage que je n'y sois pas venue plus tôt. Mais je vous promets d'y revenir. Ouais, je vous promets d'y revenir. D'autant plus que là, oups, d'autant plus que là, bah, c'est le seul endroit où on a le droit d'aller, donc autant en profiter. Hein. Voilà. Et alors je ne sais pas du tout où je vais là. C'est vraiment. Je ne sais plus du tout où je suis. Je vous dis, je connaissais cette forêt par cœur, mais là, je ne sais plus du tout où je suis, je ne sais pas où je vais. Et bon, je sais que je me dirige vers mes bâtiments. C'est déjà une bonne chose. Après, bon. Perdu à 500 mètres de chez moi, ça serait ballot quand même. Et puis ça serait ballot. Mais bon, tout peut arriver. Allez savoir. Et regardez. Regardez ces belles pâquerettes. Regardez juste en face là. Regardez. Il y a un coucou qui est pas loin. Il nous fait coucou depuis tout à l'heure. Et voilà. Donc, je peux pas vous faire de live de là où je suis parce que je suis pas couverte par le réseau. Donc, je vous fais une vidéo. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Je vous fais une vidéo parce que je n'ai pas de réseau ici. Et voilà, donc. Bon bah, j'espère vous avoir apporté un petit moment de fraîcheur, un petit moment d'oxygénation, un petit moment de, comment dirais-je, ah bah voilà, et nous revoilà encore, voilà, bah voilà, quand la nature reprend ses droits, bah, tout ce qu'a fait l'homme disparaît. Et ouais. Et voilà. Et voilà. Bon, on va passer par là. Les ronces, c'est interdit. Hein. Donc, on est à notre petit passage. Regardez. Ça vaut rien, ça. Sérieux, ça vaut rien. Voilà, je suis revenue à mon point de tout à l'heure. Donc cette fois, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je pense que la batterie de mon téléphone arrive à extinction et que j'arrive moi-même à destination. Donc je vais vous souhaiter un très bon jeudi, une très bonne journée. Soyez en paix, hein, parce qu'on est en paix. Et ça, je vous le dirai plus de 6 fois. On est en paix. Oh, on est en paix. Oui, on est en paix. On ne fait pas partie de la guerre, nous. On est en paix. N'oubliez pas, on est en paix. Allez en paix, mes amis. Et... Profitez de la vie, profitez de la nature, profitez de ce que vous avez autour de vous et...